tous, c'est là notre première vidéo sur Devil May Cry DMC pour toutes les compilations des boss démons. Donc c'est parti. Ouais, je t'entends. Oh, tu le sens là, hein? C'est mal. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Ma mère. Sage lingue. Alors ça doit être toi l'ingrédient secret. Qui es-tu? Ton cavalier pour le bal, gros sac à merde. Parle. Qui es-tu? Savoir, mon nom, c'est Dante. Dante, fils de Sparda et Diva, la catin. C'est ça. Mais tu peux m'appeler Dante, le tueur de démons. Ça sonne plutôt bien, hein? Tu veux me tuer? Tu n'y arriveras pas. J'ai plus de 1200 ans. Ta tronche, j'aurais plutôt dit 12 000. Pauvre vieille conne. Mange-toi ça! Merde! J'arrive pas à l'atteindre. Ah.
sois pas timide. Reste tranquille. Fait trop de billes. Ketchup. Non, comment? Le pire d'entre eux est Dante. Le monde entier se porterait bien mieux s'il n'avait jamais existé. Tu vas devoir rendre l'antenne. Tu crois ça? Tu t'avances un peu vite, petite merde. Quel petit et stupide. Va chier des crêpes. Quel petit et stupide.
transition. Ces images écœurantes montrent le terroriste connu sous le nom de Dante sur le quai de Bellevue. Que savons-nous exactement de ce Dante? Plusieurs personnes se sont manifestées, permettant aux enquêteurs de reconstituer un parcours d'une violence inouïe. À l'âge de 8 ans, Dante tua l'infirmière en chef de l'orphelinat Saint-Lamia. Cette femme était saluée par tous pour son extrême gentillesse et son dévouement envers les enfants. Entre 11 et 15 ans, il s'échappa de pas moins de 8 centres de détention pour mineurs, planifiant le plus souvent des attaques d'une rare brutalité sur les gardiens coupables seulement de faire leur travail. Entre 16 et 17 ans, il entre dans des gangs, fait du trafic de drogue et est considéré comme responsable de plus d'une douzaine de meurtres. Et comble de l'horreur, il était connu pour traîner dans les quartiers malfamés de la ville, répandant les maladies sexuellement transmissibles les plus innommables. Il y en a donc tant que ça, Bob ? C'est de l'info percutante, Bob! Quoi, qu'il suppliait de l'épargner. Mais il a répondu qu'il la tuerait quand même, quoi. Et il l'a fait. Carrément, quoi. Depuis cet attentat révoltant, il est apparu que Dante faisait partie de l'organisation terroriste baptisée l'Ordre. J'ai un message pour l'Ordre. Le monde entier vous recherche. Chaque caméra, à chaque coin de rue, chaque force de police de ce pays et du monde. Nous vous trouverons. Nous vous détruirons. Ce n'est qu'une question de temps. C'était Bob Barbas du Raptor News Network, au service du Seigneur. Nous interrompons cette émission pour un flash spécial. L'organisation terroriste responsable des récents attentats a été localisée et son repère est pris d'assaut par les équipes du SWAT en ce moment même. La présence de deux des terroristes identifiés sur ces images a été confirmée. Salaud. Un troisième terroriste a été pris au piège suite à un raid de la police dans un autre quartier. Rassurez-vous, je vous garantis que les responsables devront bientôt répondre de leurs crimes. Mort ou vif. C'était Bob Barbas du Raptor News Network, au service du Seigneur. Vos gueules, vous êtes cernés, tous cernés. On va vous broyer, et en direct, tout en direct.
regret. Ton tour, Barbie. Oui, c'est exactement l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Allez, bébé, faisons la fierté de papa. Oh. Oui, mon petit, c'est l'heure de s'amuser. Ah! Tu sais, je cherchais justement une occasion de me détendre. Montre-toi, Lilith. Je t'ai dit de venir ici et de te battre, sale monstre. Non, bébé, laisse-moi rentrer, je t'en prie. Thank you.
rend malade. Lève-toi. Je vais pas vous tuer, toi ou le gamin de Mundus. Du moins, à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. D'accord. J'obéirai. Privé de ce gamin, je ne serai plus rien. Alors arrête de pleurnicher. Ça tourne. Merci de nous avoir contactés. Désolé d'avoir mis du temps à répondre. Suite à ton offre, je souhaite faire une contre-proposition. La vie de la fille... contre la vie de ton enfant. Bien joué. Des fissures apparaissent. Dante, tu vois ça? Ouais, je vois. Il est toujours là-dedans. Il faut trouver un moyen de passer et de le tuer. Allez, on y va. Pourquoi son corps était là? Donc Mundus a fusionné avec son incarnation physique. C'est pour ça qu'il le protège. Donc si on tue son corps... On tue Mundus. Tu lui as fait!
d'être ici. J'ai réussi. Alors écarte-toi. Je régnerai seul. Je t'ai pas aidé à détruire Mundos pour que tu prennes sa place. Je peux pas te laisser faire, Vergil. Je ne peux pas te laisser m'arrêter, mon frère. Alors, écarte-toi. Ne fais pas ça. Vergil, s'il te plaît. Reste en dehors de ça! Désolé, frangin. Ne le sois pas. Il n'est pas trop tard. Si, ça l'est.
Le monde est sous ma protection maintenant. Tu as choisi le mauvais camp. Tu n'es pas humain, Dante. Et tu ne le seras jamais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Ciao.